Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. On fait... Alors non, pas karaoké parce que j'ai plus de voix à cause du karaoké d'hier, hein, bande d'enfoirés. Ok? Là, ma voix elle est éteinte là, je peux plus crier, mais je vais quand même faire parce que j'adore crier. Aujourd'hui, c'est Tribunal des Bannis sur Discord. Vous vous rappelez, je vous avais dit, ouais, tous ceux qui sont bannis, faites un ticket et vous allez passer sur Discord et vous allez en mode me convaincre de vous déban, mais avec quelque chose de bien. Ok. Oui, c'est parti. Bonjour. Allô? Allô? Allô, ouais. Dis-moi, pourquoi tu es ban? Parce que, en fait, j'ai envoyé un numéro, mais c'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est qui alors? Je sais pas, il s'est envoyé tout seul. Ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Il s'est envoyé tout seul. Tu te fous de ma gueule? Dis-moi, en fait, écoute, vas-y, explique-toi. Ouais. Quand je me suis fait ban, bah j'ai vu que ça, j'avais envoyé un numéro. Mais sauf que moi, je me rappelle pas de l'avoir envoyé. D'accord, et tu as préparé quelque chose pour te faire excuser? Ouais. Tu sais quoi? Un diapo. Voilà. Demande de déban. Raison. Voilà, c'est... T'as les raisons. Mais voilà, lis, mais présente. Ah, faut que je lise. Oh, raison. Envoi de drapeau dans le... De l'Algérie dans le chat, juste un peu. Après, ça a envoyé un numéro, c'est dur, je lui ai demandé c'est quoi le numéro, moi. Après, en fait, j'ai envoyé un numéro, mais voilà, c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Et, ça m'a envoyé un numéro alors que j'ai rien fait, wallah. Mais comment ça, ça a envoyé un numéro tout seul? Pas ma faute, en fait, je sais pas, j'ai. Voilà, j'ai pas compris. Mais attends, mais tu veux te faire débattre ou pas? Oui. Oh, salam alaikum, Baylan. J'étais ban de ton live parce que j'ai envoyé un numéro et je sais pas ça à qui. Et voilà, j'ai vu que j'avais envoyé un numéro après mon ban. J'ai même pas fait exprès d'envoyer le num, je comprends pas. En plus, c'était la première fois que je venais sur ton live. Du coup, franchement, je sais pas c'est à qui le numéro, je sais pas comment je l'ai envoyé. Ok. Voilà. Après, c'est un petit message de Momo. T'as pété? Non, j'ai pas pété. Vas-y, continue. Il y a Momo Farton, il t'a demandé de me déban. Voilà, voilà. Après, ça, c'est toi. Donc là, on t'a donné 5 jours pour que tu me fasses ça. C'est okay. Bien, non? Bah ouais, ça va être simple. C'est le chat qui va décider. Sondage. Le chat. S'il vous plaît, le chat. Attends. S'il vous plaît, de quoi? Hop, tu es mute, frérot. Le chat, on le banne ou on le débanne pas? Mais attendez, mais c'est quoi ça? Moi, je me suis dit, bon, allez, je vais ramener. Là, ils vont venir avec des masterclass. Ils vont se faire pardonner. Là. Ah, Mofarton ? Oui. J'ai les résultats. Oui. Pour toi, quelle décision a été prise ? Des bans. Et la décision qui a été prise par le chat. Que tu es. Ban ! Toujours. Ah, merde. C'est le chat qui a pris cette décision-là. Bah, franchement, c'est pas cool, le chat. Mais il faut. Oh! T'es méchant, mais allez vous faire foutre! Oh, c'est vous qui avez voté non! Écoute! En plus, t'as 30 minutes de retard! Quoi? Bah attends, tu jettes la faute sur moi? Toi, t'envoies des numéros dans le chat, c'est interdit, tu dis qu'il s'est envoyé tout seul! Mais c'est qui alors? En fait, je sais pas, ça s'est envoyé tout seul! Mais là, tu mens! Là, je mens pas! Mais comment en fait, ça? Non. Comment? J'ai sûrement envoyé là, tu viens de mentir! Oh là là! Comment t'as pas fait? En fait. J'ai même pas vu que j'avais envoyé, je sais pas c'est à qui, je sais pas comment je l'ai envoyé. Genre j'ai même pas mais vu. Comment? Bon, malheureusement la sentence est irrévocable. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée, à mot farton et en espérant un jour te déban prochainement sur un prochain tribunal de banni. Inch'Allah. Allez, ciao à mot farton. Bonne soirée à toi. Allô? Oh! Allô frérot. Ouais, ça va bien? Et toi? Ça va tranquille, dis-moi, t'es venu te faire des bans? Ouais, du coup, moi je m'appelle Mathéo et j'ai été ban parce que, il y avait un personnage noir dans le stream, dans un jeu, et les gens, ils spammaient Nico. Après, moi aussi, j'ai écrit Nico et je me suis fait ban direct. Okay. Donc, moi. Ok, je te laisse. Vas-y, maintenant, continue, je réagissais. Ouais, donc moi, j'ai une présentation, une vidéo très spéciale. C'est Mbappé qui m'a aidé à la faire. Si tu veux, je te présente maintenant mon écran. Ok, vas-y. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question avec Kiki. Pourquoi c'est pas bien le racisme? Regardez ce gonou, il croit qu'il y a plusieurs races. Ça c'est raciste.
Ils croient que les blancs sont supérieurs aux noirs. Mais non! Mais non! Mais oula que je vais t'attraper toi. Bon, prof Mbappé va vous expliquer l'histoire du racisme. Il y a très très longtemps, les Européens se sont appuyés sur le racisme pour dominer les Africains et pratiquer l'esclavage. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. Il y a quelques décennies, les lois racistes existaient encore. Mais c'est pas bien. Pourtant, la science a montré que tous les humains avaient les mêmes gènes. La chienté, on est tous des homo sapiens, c'est les scientifiques chimistes qui l'ont dit. Toi, tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. En France, les paroles racistes sont punies par la loi. De nos jours, les agressions racistes ont diminué, mais les messages racistes ont augmenté, surtout sur les réseaux sociaux. Mais plus sérieusement, c'est pas logique que des gens se font persécuter à cause de leur couleur de peau. Chaque année, une semaine est dédiée à lutter contre le racisme dans toutes les écoles, des W dans le chat pour les écoles. Tu te poses des questions? Mbappé y répond. Ouais, allô frérot? Ouais, allô? Ouais, du coup, maintenant, je vais te dire pourquoi je devrais me faire des bannes. Vas-y, pourquoi? Donc déjà, j'ai pris l'effort d'inviter Mbappé. Il a parlé du racisme et tout. Donc ça veut dire que je suis honnête. Et ça sert pas juste à moi, ça sert aussi à empêcher les gens de le faire. Donc c'est comme une leçon. Mmh. Donc j'espère que tu me débannes et voilà. Écoute, ce que tu as fait, il ne faut plus le refaire, ok? Ouais. Ne compare pas quelqu'un à un personnage qui est noir alors que... Juste parce qu'il est noir. C'est pas bien, c'est du racisme. De toute façon, tu le sais toi-même parce que le diaporama que t'as fait prouve que tu as compris ton erreur. Et l'erreur, l'erreur est pardonnable. Écoute, tu es jeune, tu es très jeune, et t'as quel âge? J'ai 15 ans. Voilà, les erreurs, ça arrive, ok? Aujourd'hui, vous avez t'as de la chance que le chat est avec toi. 92% du chat ont voté pour que tu te fasses des bans, donc tu vas être des bans. La raison pour laquelle a été des bans, je le rappelle, c'est parce qu'en gros, je jouais un jeu. Il y avait un personnage qui était de couleur noire. Tout le chat a dit que c'était Nico, et lui, il a suivi le mouvement en disant c'est Nico aussi. Il s'est fait bannef. C'est des choses qu'il ne faut pas faire car c'est du racisme. Et le racisme, c'est mal. Okay, le racisme, c'est mal. Maintenant, il a 15 ans, il est jeune, il est très très jeune. Il est dans l'euphorie, on peut comprendre. Il a fait un diaporama pour s'excuser qui m'a l'air quand même méritable. Il a compris son erreur et donc tu es déban. Donc, mon pseudo, c'est Wesh 987653321, tout minuscule. Attends, Wesh WSH? WESH. Après, c'est quoi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'es un bot? Non, bah non. Ok, c'est bon, t'es des bannes. Bah écoute, vas-y, merci frère. Vas-y, je te souhaite une bonne soirée frérot, ciao. Allô? Allô? Ouais, salut. Allô, ça va? Bien et toi, dis-moi, pourquoi t'es ban? Alors moi, c'était le frère de Mathéo. D'accord, donc c'est de famille le ban? Ouais, exactement. Donc moi, je m'étais fait ban parce que tu sais, à chaque début de live. Ouais. Tu sais, les gens dans le chat, ils disent flop. Ouais. Et en gros, bah, je crois que j'ai un peu trop spam. Enfin, en fait, j'ai mis 3 messages et le dernier, j'ai mis WHL flop, donc voilà flop. Et je me suis fait ban. Ok, et tu pensais vraiment que j'avais flop? Bah non, mais tu sais, c'est la petite tradition à chaque début de live. Pourquoi jurer, dire Wadla que j'ai flop si alors tu le penses pas? Bah, je sais pas, j'étais dans le truc et tout et c'est parti tout seul. Ok, bon. Je te laisse me présenter ce que tu nous as préparé pour te faire des bans. C'est un petit texte, j'ai pas fait de. Ok. J'ai pas fait de dialogue comme les autres. Donc, bonsoir les modos et Bailan. J'ai été badgé le 9 août à 21h58 après avoir mis dans le chat Wadla flop. Après cela, j'ai fait une demande de déban. J'avais déjà regardé les streams de Bailan avant de me faire ban. Et j'avais déjà dit flop au début des streams comme à chaque fois, mais cette fois j'ai rajouté voilà ce qui m'a valu un ban. J'ai commencé à regarder le live sur Rec Paroxysme, tu vois. Ouais. Et du coup, bah je l'ai regardé, sauf que j'ai pas pu regarder la fin. Et après, du coup, pour donner de la force, je l'ai regardé sur la chaîne secondaire, la fin, là, sur la rediffusion. Ok. Et j'ai vu des gens, ils disaient Starfoula et tout dans le chat. Et je me suis dit, bah du coup, c'est pas un rapport avec voilà, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils parlent en arabe et tout. Moi, je me suis dit, bah, enfin, peut-être j'ai trop spam. Sauf que bah moi, j'avais pas l'impression d'avoir trop spam. Et après, du coup, bah, j'ai quand même regardé tous les lives que t'as fait et les vidéos YouTube principales et secondaires. Et du coup, bah, c'est pour savoir si je peux me faire des bans pour réintégrer le chat parce qu'il me manque. Et même si je suis pas des bans, merci Bailan pour ce divertissement.
et force modo qui font un bête de taf. Ok. Je vais te répondre à ta question. Quoi ? T'as dit quoi ? 85% de déban ? Comment ça se fait ? J'allais lui faire un discours pour lui dire que je refusais là 85% de gens qui votent de déban ? T'as de la chance, le chat est avec toi. Vraiment, t'as vraiment de la chance. Merci Écoute, le chat. Merci le chat. Écoute Axel. Merci Bailan. Salut Elvin. Bonjour Bailan, comment vas-tu ? Je suis le tonton de Mathéo. D'accord, ok. Ok, pourquoi t'es ban ? Alors j'ai été ban en avril parce que dans le chat, tout le monde commençait à faire des jeux de mots. Limite, il se faisait pas ban. Du coup, je me suis dit, vas-y, je rentre dans le délire et j'en fais un. Je me suis fait ban instant et après, Mais c'était quoi, j'ai compris ma bêtise. Oui, mais c'était quoi ce jeu ? Vas-y, dis-le. T'as vu ? Attends, si je le dis, tu me débannes ou pas ? Dis-le, mais sans dire les mots. Vive et après, tu connais. Voilà. Allez. Ton excuse maintenant. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour te faire pardonner ? Tu préparais un vrai truc, je m'y suis donné. Attends. Vas-y, on regarde tout ça. Parce que, au vu du motif du ban, il est bien mérité ce ban. Donc, t'as dû préparer quand même quelque chose de bien. Pour l'instant, le chat sont tous contre toi. Et moi aussi, d'ailleurs. Vous êtes sympa, le chat, je vous aime. Gros cœur sur vous. Voilà, ne vous faites pas avoir par les sentiments. Il ne pense pas. Demain, il vous aura oublié. C'est faux. Alors voilà. Donc là, tu vois bien que c'est notre amitié fraternelle. Donc tu vois, dans cette caricature, on peut voir que si tu me débannes, vraiment, on formera une amitié merveilleuse. Et de plus, mon excuse, elle est vraiment sincère. Carrément, même plus dans le chat, je dirais de choses limites. Je ferais que t'aider. Imite Mbappé, carrément. Imite Mbappé. ok. Alors, vous n'êtes pas content, triplé. Bonsoir Mbappé, alors vous avez signé au Real de Madrid, vous avez mis un but sur votre premier match, comment vous êtes-vous senti pendant ce match ? Comme d'habitude, la petite boule au ventre. Bon, on essaye toujours de rattraper le GOAT, le 7, mais bon, c'était très compliqué, mais j'étais rempli de joie, et franchement, très heureux de ce but. Ok, vas-y, continue ton diaporama. Du coup, là, on peut voir en plus, là, t'as beaucoup de muscles, t'es bien musclé, hein, parce que vraiment, c'est ton physique de goat, tu vois. Vraiment, tu es un goat. Et vraiment, je m'excuse pour ce que je dis dans le chat. J'ai tenté ma première blague, je me suis fait ban, plus jamais je ferai de blague limite comme ça. Et vraiment, t'es un goat. C'est tout hein. Ouais, c'est tout. T'es plus musclé que moi, t'inquiète pas, regarde les grosses épaules que t'as comparées aux miennes. Ça fait 5 jours qu'on vous a laissé le temps de préparer quelque chose. 5 jours ? Non, moi, on m'a averti aujourd'hui. J'ai tout fait aujourd'hui. Voilà, vous êtes vraiment des merdes hein, dans le chat. Hein. En fait, il a suffi qu'il fasse il a suffi qu'il imite Mbappé pour que vous votiez tous des bannes. Eh, le chat, je vous aime. Gros cœur sur vous, vous êtes vraiment des goats. Bon, écoute, ton pseudo. Je suis choqué, le chat, que vous ayez tous voté des bannes. Écoute, merci. On t'a laissé. Le chat a été de bon cœur et t'a laissé une chance. On sera beaucoup plus moins indulgent avec toi. Fais très attention à ce que tu as marqué dans le chat prochainement. Ok. T'inquiète pas, ce maintenant. Ce genre de message. Ce genre de jeux de mots n'ont pas lieu d'être. Ok ? Ouais, mais il y en a, ils disaient des dingueries. Mais dans la vie, il ne faut pas que tu fasses comme les autres. Sinon, tu ne vas pas avancer. D'accord, merci pour la petite motivation. Bonne soirée. Bonne soirée. Arrêtez, les mecs, de vous faire berner, putain. Vous faites berner par les gens. Le mec, il vous fait rire, hop, vous votez des bannes. C'est pas comme ça que ça marche, soyez solide. Faites pas marcher dessus ! Allô, la crème ? Allô ? Oui, tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va très bien. Dis-moi, pourquoi tu es ban ? J'ai mis un caractère pas approprié dans le chat. Une bite ? Ouais. Aïe. Bah en fait, je t'explique. En gros, je voulais copier-coller un message qui était écrit en dessous, quoi. Mais quoi, il y a le défilement du chat et j'avais pas mis le chat en pause. D'accord. Et du coup, ça a copié-collé en haut. Et moi, j'ai pas regardé, j'ai fait direct entrée. Et ok, explique ton déban. Attends, j'ai fait un diapo, je vais te le montrer. Attends. Les mecs, vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Soyez mature un peu. Tu ok, me dis je regarde. Je regarde. Vas-y, commence. Vas-y. Alors, déjà, pourquoi je veux être débanni ? Car déjà, j'aimerais pouvoir participer et interagir au chat. Pour pouvoir donner mon avis aussi. Et aussi, j'aimerais bien me sub, parce que je l'ai déjà fait, là, je veux le refaire. Et que ça serve à quelque chose. Ça ne sert pas à rien. Ok, donc tu veux me donner de l'argent. Très bien, ça, c'est un très bon point. Bref, du coup, le 19 juillet, j'ai été banni comme, du coup, c'est l'exil, parce que j'ai mis un caractère inapproprié sur le chat. Ok, du coup, je voulais quand même présenter des excuses.
très bien. Donc je tenais quand même à m'excuser parce que malgré mon inattention, j'aurais dû faire gaffe à ce que je collais. Et j'espère que ce diaporama fera en sorte que je sois débanné. Et ce que j'ai fait, j'espère qu'il sera pardonné. Mmh. Ensuite, slide sur. Et j'ai des engagements. Déjà, j'ai me sub le 29 août, c'est sûr, s'il me fait des bannes. Ok. Je m'engage à participer positivement. Tu es des bannes, tu es des bannes. Et interagir avec tout le monde. Tu es des bannes, pas besoin de sondage, pas besoin de sondage. Bon, tu as quel âge? Là, j'ai 15. Très bien, écoute la crème. Je vais t'appeler la crème parce que c'est ton pseudo Discord. Voilà. Ne fais pas comme les autres. Dans la vie, si tu vois des gens faire quelque chose, il ne faut pas les suivre. Sois le loup, ne sois pas le mouton. D'accord ? C'est-à-dire que la prochaine fois que tu arrives dans mon chat et que tu vois des gens spammer quelque chose qui te paraît pas bien, ne le fais pas parce que les gens le font. Parce que tu vas pouvoir être... Tu peux être ban. Ça peut tomber sur toi comme ça peut tomber sur n'importe qui, mais tu ne passes jamais inaperçu. Les gens ont l'œil, les gens te voient. D'accord ? Donc fais très attention maintenant. Tu vas être déban, tu vas pouvoir reparticiper au chat. Et je compte sur toi pour être très poli. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je te souhaite une bonne soirée, la crème. Merci. Ciao. Et n'oublie pas de sub le 29. C'est très important, sinon je t'aurai pas des bannes. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui. Makido. Makido. Normalement, si tu te rappelles de moi, j'avais participé au Ramen Game. Alors, je me rappelle pas de toi, malheureusement. Je me rappelle pas. Ah, t'as fait un partage ? Est-ce que tu peux juste me rappeler pourquoi tu as été ban ? Shrek. Shrek, tu as envoyé un Shrek dans le chat. Ouais. Très bien. Très bien. Vas-y, Makido, on t'écoute. On dit appelé ma réaction, ban. Bon. Premier argument pour me déban, c'est le premier streamer à qui j'ai lâché vraiment un sub. Bon, sans sub diff et tout. Le premier ? Le premier. C'est très important. Waouh, merci. Alors, à un moment, je suis allé à la salle du temps pour gamberger un peu. Après m'être fait ban. Oui. Donc j'ai médité. Et pendant ça, j'ai vu The Boy. Et j'ai décidé de faire comme Homelanders. Et ça, en ça, tu étais modérateur. Parce que je suis pas Homelanders et ils faisaient que leur travail. D'accord. Parce que j'ai mis Shrek dans le chat. Je l'assume, j'ai suivi un mouvement dans le chat. D'accord. Et j'ai trouvé ça. Réponse C, Aminatu. Réponse D, Squeeze. Je vous laisse réfléchir. Eh bien, ce n'était aucun des quatre. C'était bel et bien Shrek dans l'âge de glace, les gars. Si j'ai fait, vous avez la rêve. Où est ? Attendez, depuis quand Shrek est noir ? C'est pas normal. Oh, je suis pas raciste. Pourquoi ce bordel ? Ah, faut savoir, Shrek, il est noir ou il est vert ? Ah, faut savoir, les gars. Moi, quand le t-shirt demain, je vais être soit sur. En reprise, on a vu Shrek dans ta vidéo. Oui. Quand tu réactes, t'es pour toi sur TikTok. Maintenant, j'ai une théorie. Pourquoi le mouvement Shrek ? Je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention. Parce que tu fais ban, on était au moins en mars. Et bizarrement, moi, 3 mois plus tard, l'annonce de Shrek 5 est sortie. Comme ça, à 6h. Pourtant, ça faisait au moins, ouais, 2 ans qu'on attendait le film. Shrek 5. Donc, je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention. Alors, explication, j'ai regretté d'avoir fait ça. Oui, très bien. Bon, j'ai été sincère pour me faire des bans. Là, j'ai cravé. Parce que les modérateurs ont dit pour le diaporama. Et enfin, maintenant, point bonus que j'ai fait, les points honorables. Quand j'ai été ban, j'ai toujours continué à regarder tes lives malgré que j'ai plus accès au chat. Wow. La première personne qui t'avait mis tu préfères avec un troll. Avec des images un peu. Voilà, comme celle de Twitch. En fait, t'avais oublié de ban la personne, donc j'ai reporté au modérateur pour qu'il le banne. Waouh! Et voilà, c'est juste ça. Les points honorables. Makido, sache que déjà, on apprécie tous la tenue, le costard, tout ça. Tu respectes le thème et tu as fait un beau diaporama et ça se voit que tu as mis du temps. Tu vas être débanné, ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est clair et net. Débannez-moi ce type qui ne mérite totalement pas d'avoir été banné. Tu as juste mis Shrek, ce n'était pas une bite, c'est juste Shrek. Au pire des cas, il aurait fallu le mettre un avertissement. En tout cas, tu es débanné, Makido. Makido. Est-ce que je pourrais faire une dédicace ? Bien sûr, Makido, tu peux faire ta dédicace. Oui, bien sûr. Dédicace à Zéro de Ryan, un pote, voilà, juste ça. Magnifique. Bon, allez, Makido, je te souhaite une bonne soirée. Makido tiré du bas. Prochain ! Allô ? Merci, Mathéo. Salut, ça va ? Oui, ça va bien, et toi ? Ouais, ça va, merci. Je te fais un stream ? Oui, vas-y. Merci, Makido. Merci énormément, Makido ! Qui vient de sub, Makido ! Très bien. Donc, déjà, je me présente. Moi, mon pseudo, c'est Semi Pro RL. J'ai 15 ans et je me suis fait ban dev de ta chaîne.
Donc c'était pendant le stream du 5 août au 6. C'était pendant qu'il y a un mec qui avait drop 600 subs. Oui, on se rappelle tous, Croutonium, bien évidemment. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, donc moi, je regardais le chat. Et toi, t'avais dit un truc du style... comment t'avais dit ouais, les gars, comment je fais pour le contacter? Parce qu'en plus, il avait mis zéro message dans le chat. Mm-hmm. Et toi, tu cherchais à le contacter, etc. Et moi, à ce moment-là, je regardais le chat. Et j'ai vu son pseudo défiler. Et il avait mis son numéro de téléphone. Je sais pas si tu te souviens. Oui. En fait, j'ai pris son numéro, je l'ai copié-collé dans le chat. Et du coup, suite à ça, je me suis fait ban def. Mmh. Et du coup, tu m'as demandé pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi t'as fait ça? Ouais. En fait, moi, c'était pas dans le but de faire chier les modos ou de faire chier toi, etc. Moi, en fait, je me disais, comme toi, tu cherches à, je sais pas, à communiquer avec lui, je me suis dit, peut-être si je mets le numéro... Tu verras peut-être mon message et tu vas trouver, enfin, tu vas voir le message et tu vas pouvoir le contacter. Et j'avais pas du tout pensé, enfin, j'avais oublié que dans la majorité des chats Twitch, t'as pas le droit de mettre de numéro de téléphone, que c'est interdit, etc. Mm-hmm. Du coup, voilà. Pourquoi je devrais être débanné? Alors, après, là, je vais dire un truc, c'est mon avis. Je trouve que être bandef, juste, enfin, entre guillemets, juste pour avoir mis un numéro de téléphone, je trouve ça quand même un peu comment dire, un peu trop entre guillemets, alors que par exemple j'aurais été ban je sais pas, peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois, je me serais dit bon ok, j'ai merdé, dans un mois je serais déban, pas grave, alors que là du coup je suis ban def. Et puis ensuite j'ai appris que, donc moi je me suis fait ban, et après toi t'avais dit sur le stream, t'avais dit ouais les gars, on voyait pas son numéro de téléphone, vous allez vous faire ban, etc. Et en fait moi du coup je trouve ça un peu comment dire, un peu injuste entre guillemets, parce que je me dis, j'aurais pas été entre guillemets aussi rapide, et bah j'aurais peut-être pas envoyé le message et du coup je me serais pas fait ban. Pardon. Et donc du coup pour finir, je tenais juste à te présenter mes excuses, parce que même, enfin, je sais très bien que mettre un numéro de téléphone dans un chat Twitch c'est complètement interdit, que ça fait un peu chier tout le monde, les modos, même toi, etc. Et du coup je voulais juste m'excuser par rapport à ça, et voilà quoi. Très bien. Écoute, tu t'appelles comment? Moi c'est Maxence. Maxence. Maxence, sache que c'est très honorable de ta part d'avoir fait un diaporama et de t'être exprimé de la sorte. Et nous allons, je pense, te déban. Voilà, le chat a voté que tu étais déban. 88% du chat vote pour que tu sois déban. Donc voilà, c'était quelque chose que tu as fait que tu ne voulais pas. Tu n'as pas vu les dangers potentiels en envoyant ce numéro de téléphone dans le chat. Et c'est compréhensible, maintenant tu le sais. Tu as pris tes erreurs et c'est bien. Et c'est ça qu'on veut, c'est les gens qui reconnaissent. Donc nous aussi on reconnaît et on va te déban. D'accord? Ok, bah, merci beaucoup. C'est bon, t'es déban. Ok, allez. Bah merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne soirée, Maxence. Bonne soirée, et puis continue ce que tu fais. Merci, tu nous régales à chaque stream, et puis... Allez, ciao, Maxence. Bah, merci à toi. À plus. La l'hôtesse. Alors moi, c'est Tess, je suis la mère de Mathéo. Alors je... D'accord, ok, coup, bien enchanté. Enchantée. Du coup, je suis ici pour m'excuser, parce que j'ai été ban de ton chat, malheureusement. Ah, mais non, arrête, sérieux, pourquoi? Eh ben écoute, je vais tout t'expliquer. Alors j'ai fait un petit message pour toi. J'espère que ça te plaira quand même. Très bien. Allez, on t'écoute. Alors, bonsoir Monsieur le Président, le chat. Alors je suis ici au tribunal des bannis pour cause d'un message que j'ai envoyé au chat en début janvier. Quel message voulais-tu me demander? Et comment une fille a pu être bannie? Mais moi je me le demande. Alors il s'est passé que le 3 janvier à 2h, à ce moment-là, j'étais sur ton live comme chaque soir, et pendant que tu te l'as donné sur ton jeu qui n'avait aucun sens, j'ai remarqué. Tu conduisais une voiture et je crois la nuit faisait un jeu d'horreur, quelque chose comme ça, mais ça faisait pas très peur. J'ai remarqué que ton chat a commencé à t'embêter en te spammant avec de jolis dessins avec des pixels. Et j'ai vu que tout le monde était complice, alors je me suis dit que j'allais y participer aussi. J'ai copié-collé un chat, je l'ai envoyé et j'ai été ban direct. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait et depuis ce jour, je me sens seule. Depuis, je n'ai plus de socialisation ni de complicité avec ton chat, même avec toi. Et j'en suis navrée. Et j'espère que tu accepteras mes excuses tout de même. Que depuis 8 mois. Oui, 8 mois. Ça fait 8 mois, oui. Depuis 8 mois. Et depuis 8 mois, du coup, depuis, je peux plus regarder tes lives. J'arrive même plus à les voir. Tu regardes plus mes lives?
Bah en fait, j'arrive plus à te retrouver depuis que j'ai été ban. Comment j'arrive ça pas. Bah déjà parce que je te followais, du coup ça m'a unfollow, je crois. Et en fait, dès que je te cherche, je tombe que sur des comptes des fans de toi, par exemple. Mais là, t'es pas ban, là t'es bloqué, ça veut dire. T'es ban def en fait. Ah j'en ai aucune idée. Non, il y a écrit, vous avez été banni du chat. Parce qu'à un moment, quand t'es juste banni du chat, tu peux quand même me regarder, hein. Bah écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais retrouvé ton compte, j'avoue. Mais là, récemment, tu n'es même plus sur mes chaînes recommandées. Quand je te cherche, je tombe sur des... En fait, je tombe une fois sur cinq sur toi, on va dire. C'est quoi ton pseudo? C'est Tess R-E-N-D. Putain, vous êtes vraiment... T'as quel âge? J'ai 18 dans une semaine. D'accord, ok. Bon, ça va, tu commences à être... Normalement, tu commences à prendre de la maturité, tu grandis. Donc, t'es censé savoir qu'il ne faut pas faire comme les autres à copier-coller des choses pas ouais, bien. Ouais, je sais, sur le coup, ouais. D'accord, donc la prochaine fois que tu vois un chat qui se défoule et qui envoie des choses pas bien, ne le fais pas la même chose. Oui. T'es assez grande maintenant pour différencier le mal et le bien, ok? Donc, différencie le bien et évite de faire de propager le mal. Ouais. Bah les mecs, vous avez voté des bans. En fait, je comprends pas. Il y a plus de gens qui marquent ban dans le chat, mais il y a plus de gens qui votent des bans. Je comprends pas. Bon. Après, je peux comprendre s'ils veulent me ban, parce qu'après, bon, j'ai pas, je me suis pas bien exprimé ni rien. J'avoue, j'étais pris de court. Enfin, j'ai appris il y a pas longtemps que t'allais faire un tribunal des bannis. Du coup, j'ai fait en vif un truc. Il n'y a pas de problème. J'accepte ma sentence dans tous les cas. Ok. Il y a pas de problème. Juste donne-moi ton pseudo que je te les ban. C'est bon, ouais, t'es les bannes. Je te souhaite un agréable retour sur mes streams. Bonne soirée. Merci à toi aussi, bonne continuation. Psychologue du banni, de banni. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Je vais t'expliquer comment je suis banni. Good. Attends, oui, j'ai oublié de me présenter. Je suis le demi-cousin du pote à Mathéo. Ok. Allô, Minatox? Allô. Oui, allô, Minatox, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Bon allez, présente-toi. Bon, je m'appelle Mathéo, tranquille, tu vois. Je suis venu pour me faire des bannes, puisque j'ai fait une atrocité dans ton chat. Je vais te présenter un petit diaporama, afin de m'excuser et de présenter mes excuses. Très bien alors, vas-y. Ok, vas-y. C'est parti. D'abord, je me suis fait ban, parce que j'ai fait un dessin dans le chat. Pas fou du tout, et je m'en excuse. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'aimerais te présenter 7 raisons pour lesquelles tu donnes des bannes. Première raison, la durée. Plus d'un an, j'ai grandi mentalement, pas physiquement par contre. Et je ne recommencerai plus ce genre de choses inappropriées. Deuxièmement, je tiens à te dire que tu es meilleur à bon parti que ce gâteau. Troisièmement, je connais Banger. Je suis un vrai de ta chaîne, je te suis depuis longtemps. Et... le prime absolu. Merci. Quatrième, tu es plus drôle que ce mec basique, simple, efficace, banal. On n'est pas là pour se comparer, on est tous drôles au même stade. C'est vrai, c'est vrai. Cinquièmement, sixième, on a un point commun. Alors, alors non, on n'a pas un point commun, tu es tout seul. Après, j'ai 15 ans, quoi, je me sens un peu... Oui, mais moi, j'ai pas de calvitie. Bon. Septièmement, quand même... On passe un petit peu à premier degré. Je te demande pardon. Je tiens à m'excuser par rapport à mon non-respect des règles de ton magnifique chat. Et c'est la seule et unique fois que cela se reproduira. Je vous le conjure, monsieur Ilan, le gout. Ok, maintenant, dans ton diaporama, il manque quelque chose. Il manque la raison de ton chat. La raison est pour un dessin dans le chat. Un dessin? Quel était ce dessin? Dans mes souvenirs, c'était un chat. Un chat? Oui, un chat, l'animal, sans mauvais jeu de mots. J'ai copié-collé et c'était voulu. Maintenant, je les regrette, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était voulu. Et je m'en excuse profondément. D'accord. Très bien, on va laisser le chat choisir ta sentence. C'est très serré. T'as de la chance. Oh là là, t'as de la chance. Passe ou ça passe pas? C'est passé. T'as vraiment de la chance. W dans le chat. W. On va en rester au débat. Je te laisse me donner ton pseudo. Ok, bon. Mathéo, je te souhaite une bonne soirée.
Merci à toi aussi. Que je te revois pas. Pour ce court instant. Oui, allô, Liton. Liton, j'entends plus. Quoi? T'es muet? Je vais lire à ta place. Je n'ai pas de micro car je l'ai noyé dans ma piscine. Ne vous inquiétez pas, j'ai des notes pour pouvoir répondre aux questions de Bailan. Il y a quelques blagues dans le diapo, donc ne pas prendre certaines blagues au premier degré. Bien sûr, vous pouvez prendre des clips ou du diapo. J'ai passé beaucoup de temps à faire ce diapo, donc ne mettez pas de messages négatifs dans le chat. Bon visionnage. C'est pour les 100 bits. Ah si, ça va. Le tribunal des bannis, by Layton. Pourquoi j'ai insulté? Car quand je me suis laissé emporter par le sommeil, j'étais pas bourré, hein. J'ai vu un message d'une personne dans le chat disant des propos déplacés vers l'énorme calvitie à Bailan. J'ai pas de calvitie. Je me suis laissé emporter et je l'ai bien insulté comme il ne le fallait pas. Après ça, une modo m'a théo 10 minutes, ce qui m'a énervé. J'ai commencé à l'insulter, puis je me suis fait ban. Ouf, yeah, yeah. Ok. Pourquoi je devrais être déban? Car je supporte Bailan dans tous ses actes. Je retire ce que je viens de dire. Quand même bi... Oh, c'est quoi ça? T'as un baiser ou quoi? C'est quoi ça? Enlève le diapo là! Plus sérieusement, j'aimerais réintégrer le chat et pouvoir parler avec les autres car un live sans chat c'est assez nul. Je m'excuse envers les modos que j'ai insultés. Prochain slide. Merci, j'espère être débanni, ce n'est pas fini. J'ai quelques dédicaces à faire passer. Dédicace aux cheveux de Bailan. Dédicace à Dwagby. Dédicace au Mozo Dylan, ceux qui veillent sur Bailan City. Dernière dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Top 3 des produits pour la... Juste avant de prendre ta décision, j'ai une question. C'est quand tu sors ton album Fit Nicolas? Bientôt. Bientôt. Maillot spécial Bailan. Disponible maintenant, contactez-moi sur les réseaux pour en avoir un. D'accord, donc là tu fais ta pub, littéralement. Ok. Frérot. Il y a plusieurs problèmes. Déjà, t'as insulté les modos. Et t'as pas insulté les modos, t'as insulté leurs parents. Donc ça, c'est un point qui est difficile. En plus de ça, tu as mis une photo de moi avec le signe. Voilà. Donc là, c'est compliqué. Maintenant, le problème, c'est que je viens d'avoir le message d'un modérateur qui m'a dit que tu avais spam niqué vos mères les modos 6 fois. Non, fais pas le choquer ici. Fais pas le choquer ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un sondage. Mais pour moi, c'est quand même assez compliqué. Mes petits viewers, je vous... Kiff, les mecs, ne vous faites pas avoir. Ils jouent avec les sentiments. Tu joues avec les sentiments, Mathéo. Ou je sais pas qui tu l'appelles, comment, Liton. Tu joues avec les sentiments. La sentence vient de tomber. Et le résultat est que tu es... BAN! Le chat a décidé que tu étais BAN! Que tu étais BAN, Liton, je suis désolé. Malheureusement, le chat a décidé que tu... Où est la suite? Il n'y a rien, Liton. D'accord. Tu es un... Alors, Liton, tu es un viewer qui a énormément de créativité, et ça, on n'en doute pas. Hein. On n'en doute pas, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Aujourd'hui, tu as fait la meilleure présentation de Porama pour te faire des bannes. Malheureusement, les messages étant beaucoup trop haineux, je ne peux pas prendre la décision de te débanner. Car ça va au-delà de mon choix. Tu sais, dans la vie, pour se faire pardonner, le plus souvent, la meilleure solution, c'est l'argent. Après, voilà, je pose ça ici. Donc, écoute. Non. Non, non, moi, tu m'achètes pas avec l'argent. Moi, tu m'achètes pas avec l'argent, moi. T'es un ouf ou quoi? Le chat a voté que t'étais ban, malheureusement. Peut-être qu'un jour, je referai un tribunal des bannis et tu pourras revenir avec un micro cette fois-ci. Et tu pourras peut-être te justifier un peu mieux et te faire pardonner une deuxième fois. Intelligent. Enfin bref, Liton, moi je te souhaite une bonne soirée. Et merci énormément pour ton diaporama. Vous avez décidé? Vous avez décidé? Les mecs! Il n'y a pas de débat, c'est trop tard! T'es méchant, mais c'est vous! Plus de 80% du chat, ils ont voté ban! T'es méchant, mais... Mec,
85% du ciel, vous avez voté ban. Comment je voulais que je sois méchant? C'est vous qui êtes méchant! C'est une dinguerie, là je suis choqué. Là je suis choqué, là, dites-moi que je suis choqué. Alors là, vous m'avez rarement choqué, mais alors là je suis choqué. Allô mon frère? Ouais. Ça va? Ouais. Attends. Ouais mon gars. Eh, du coup, j'étais ban, pourquoi? Je vais t'expliquer. Ouais, j'attends, parce que gros, ça fait 2h30, je suis dans un putain de champ de maïs, ça t'attend. Gros, j'étais ban, pourquoi? Tu veux savoir ou pas? Oui, bah oui, avec plaisir. T'es sûr? Oui, bah oui. Ouais, eh, gros, j'ai juste cliqué un numéro de téléphone. C'est rien. J'ai cliqué un numéro de téléphone et on m'a ban. C'est beaucoup, tu trouves? Oui. C'est vrai? Alors, explique-toi, pourquoi? Genre, t'as jamais cliqué un numéro de téléphone à tes potes? Alors, à mes potes, non, déjà, non. Et encore moins dans un chat avec 10 000 viewers. Ouais, mais apparemment, le mec, il a pas été spam d'appel, il m'a dit. Ouais, mais imaginons que ça aurait été le cas. C'est pas une raison pour le faire. Ouais, mais tu connais, c'est... Attends, par contre, la vie manière. Avouez, en plus, c'est drôle de liker un numéro de téléphone. Pardon? Non, avouez, c'est pas... Non, en fait, c'est pas drôle de liker un numéro de téléphone. Je m'excuse. Là, le chat a pris la décision que tu étais ban. Et c'est comme ça, c'est la vie. Il y a plein de choses comme ça dans la vie. Ouais, mais ça, c'est pas une vie, ça. Malheureusement, c'est la décision du chat. Et Mais non, mais le chat. Bah, vas-y, mon frère. Et tu es ban, malheureusement, et voilà. Je suis désolé, Malo, je suis désolé, c'est le chat qui a pris la décision et je te souhaite une bonne soirée, mon gars, quand même. Mon frère, tu peux être plus gentil que mon frère. Ouais, regarde. Tu vas où comme ça? Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire, like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.